Привет et d'abropacha lavat. On se retrouve aujourd'hui pour réagir à une chanteuse qui m'avait fait changer. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, c'est Ekaterina Chelehova. Donc, si vous voulez ne manquer aucune des vidéos qui sortent de la chaîne ainsi que toutes les informations, n'hésitez pas. Abonnez-vous, cochez la cloche des notifications et au moment où vous serez carré, vous n'aurez plus à vous soucier de rien. Dès que je sors une vidéo, bing, vous avez l'information. Voilà, donc si vous ne connaissez pas plus Ekaterina Chelehova, n'hésitez pas, je vais vous mettre une petite fiche ici avec la playlist des titres sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, j'en ai au moins fait 5-6. Allez-y, franchement, c'est une chanteuse incroyable. Pour m'avoir fait changer, moi qui ai plutôt un fond rock, et d'avoir apprécié des voix classiques comme Ekaterina Chelehova et Amira Villigagen, c'est les deux qui m'ont fait vraiment apprécier les voix classiques. N'hésitez pas, hein, si vous voulez en savoir plus, descendez dans la description. Le premier lien, c'est sa chaîne YouTube. Le deuxième lien, ça sera le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Et on me l'a demandé deux ou trois fois là, ces derniers temps, donc je vais réagir de suite. Le titre, c'est If I Had a Heart, si j'avais un cœur. Ça vient du show Viking, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, elle va l'interpréter avec des bass singers. Et vous allez voir, hein, c'est la première femme que vous allez voir. Elle est absolument magnifique et a une voix absolument incroyable. Donc, j'espère que vous allez apprécier parce qu'elle est très connectée à la Terre. Donc, si vous appréciez, hein, je vous dis, vous pouvez participer autrement que gratuitement à la chaîne. C'est dans la description, ainsi que ma chaîne YouTube, mon VK, mon Instagram, mon Telegram et tutti quanti. Donc, on est parti. Je vous souhaite une très belle écoute pour 4 minutes 16. On est parti. Je vous aime très fort. À tout de suite pour mon ressenti. À tout de suite.
How can this N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et là, on m'a dit, c'est un titre d'Ekaterina Shelova. Là, elle fait plus du featuring, hein, parce que c'est vraiment un titre des bass singers où elle est en featuring, forcément. Mais justement, parmi ses basses, elle met sa voix qui permet justement de contrebalancer tout ça. Et franchement, le titre est vraiment très bon, très viking, effectivement, au son. Et j'ai grandement apprécié. J'adore tous les sons de basse. J'adore les voix graves. Vous savez très bien, hein. Ma chanteuse favorite, c'est une contralto. Donc, forcément, là, on y est un petit peu, je pense. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire de quoi parle la chanson exactement. Et parce que c'est le show viking, donc je pense que si j'avais un cœur, machin, ouais, alors je m'imagine pas, hein, parce que c'est vrai que les vikings, c'est les vikings. Non, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai grandement apprécié ce mélange entre les voix de basse et Ekaterina. Franchement, merci de me l'avoir proposé, hein. Franchement, je retombe sous le charme de la voix si claire de Ekaterina, même si on ne l'a pas entendue forcément beaucoup. Mais tous les titres que je fais d'elle, ils sont tous bloqués pour l'éligibilité. C'est un truc de fou. Ekaterina, faites quelque chose. Laissez-nous travailler dessus. Déjà, ça vous fait de la pub. En plus. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. Et on se retrouve demain, sans faute, pour la prochaine vidéo. Et oui, on est parti en dracard. Hein. Allez, c'est parti mon kiki. Non, allez, je vous souhaite une très belle journée, après-midi, soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Mais on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Allez, je vous aime fort. À demain. Allez, je vous aime.